Obisix ! Obisix ! Hé, 0016, 0016, on nous regarde, détends-toi. Qui ? Quoi ? Quoi ? Oh, salut les loulous ! Oh, il pleut plus, il peut plus ! On va s'en mettre jusque-là ! Y a banquet ? T'as ramené du sanglier ? Mais non, pas des sangliers, Obisix, on va se gaver de tennis ! Ah, t'es sûr ? Vaudrait mieux, sinon on va jamais le finir ce tournoi. Hein. Déjà, les demi-finales dames jeudi, on oublie. Hein. Ah, on oublie, au mieux c'est vendredi. Et encore, attendez, parce que si la finale est samedi, une fille comme Serena par exemple, va devoir jouer tous les jours. Alors que celles qui sont dans la partie basse du tableau, la genre Muguruza ou Stosur, elles auront un jour de repos. Sportivement, ça craint. Ah bah oui. Et les gars ? Oh bah les gars, c'est kiff-kiff si la finale est dimanche, par exemple. Hein, si la finale reste dimanche. Un gars comme Djokovic, là, ceux qui sont en haut, là, Djokovic, Ferrer, Thiem, Goffin, tout ça, ils vont devoir enchaîner la fin de leur huitième aujourd'hui, quart demain, demi-vendredi, avec un petit jour de repos. Alors que en bas, là, Murray, Wawrinka et Ricky, ils auraient un jour de repos en plus. Et potentiellement, on part le match en 5-7. Ouais, sans oublier les blessures, hein. Avec le froid, les balles hyper lourdes, là, ça te fracasse le coude, l'épaule, le poignet, et les lignes qui glissent. Vas-y, fais le guignol. Oui, mais c'est ça, c'est plus du tennis, c'est du patinage, c'est Candeloro-Joubert, là, on n'est plus dans le coup droit, on est dans le double axel. Et en plus, 0-16, à vouloir se précipiter à gagner rapidement. Ils risquent de déjouer. Oh, ils peuvent déjouer, t'as raison, ils peuvent déjouer. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Hein ? Ça me rappelle, tu sais quoi ? Ça me rappelle 2012, la finale le lundi. Tu fais quoi lundi au Basics ? Ah oui, mais toi, mardi ? 73, la finale de 73. Mardi ? Oui ? Ouais, non. Mais c'est vrai qu'ils annoncent encore de la pluie. On n'est pas prêt de bouffer.